Ce résumé vous est présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League. International nigérian, le corner joue en deux temps, il est bien donné, Tadic. Voilà la première occasion du match. Il est bien donné ce corner, la reprise. Au fond du but, sensationnel, Edson Alvarez. Une reprise parfaite sur le troisième corner de l'Ajax. Qui va au fond, on ne peut pas dire que ce ne soit pas mérité. Le but du Mexicain international Edson Alvarez qui marque son premier but de la saison et le stade Amstelodamois qui peut déjà exploser après moins de 20 minutes. Le relais avec Taylor, voilà le deuxième. À côté, qu'est-ce qu'il rate, mais c'est un excès de collectivité, ça tout simplement, parce que je pense qu'il a voulu centrer. Berghuis, le deuxième, voilà le break, on le sentait, ça sentait à plein nez le deuxième but, c'est Berghuis qui met ce ballon au fond, il a été dévié par un joueur écossais, mais peu importe. C'est archi mérité pour l'Ajax. 2-0, Steven Berghuis, un assist, un but pour l'ex-joueur de Feyenoord, ben oui, le club de Giovanni van Bronckhorst. Le troisième. Oh là là, mais c'est extraordinaire. Mais quel but. Ah, sans doute un des buts de la soirée, hein, déjà, pour Mohamed Kudus, mais quelle frappe. Mais quelle frappe. Le choix du coup payant d'Alfred Schroeder, qui a choisi de titulariser cet homme offensivement, et le Ghanéen qui le rend bien à son coach. Taylor, la frappe. Klosling qui repousse, Tadic, elle, sans le pied droit, c'est pas son meilleur, on sait. Lint avec dans l'axe Berghuis mis au sol, mais l'arbitre Tobias Tiller, dans le même esprit que depuis le début, ne siffle pas cette intervention. Avec Bergwijn maintenant, la frappe Tadic sur son bon pied. Et Klosling qui repousse Dusan Tadic, il ne lui manque qu'un petit but hein, au Serbe. Et on dirait que l'Ajax a envie d'en planter un quatrième, tiens. Avec Berghuis, Kudus, le petit dribble, c'est sensationnel. De la part du Ghanéen, quelle action. Pas encore de but en deuxième mi-temps. On arrive à la moitié, petit à petit, de cette deuxième période. Le centre, et la reprise au queue de Ryan Kent. Harfield qui est rentré entre temps. Ouh, attention à ce ballon, attention à ce ballon. Le quatrième, Bergwijn qui boite légèrement, mais quel sourire. Ah ouais, j'espère que c'est pas trop grave pour Steven Bergwijn. Quelle crampe. L'image est cocasse, mais au bout de la douleur, l'Ajax met le quatrième dans cette deuxième mi-temps. Et c'est une image quand même assez... assez original, hein, la crampe de Bergwijn juste après
avoir planté le quatrième, une erreur monumentale. J'ai envie de dire une de plus. Attention peut-être quand même ici de ne pas finalement en prendre un, pas passer très loin. Ce résumé vous a été présenté par Heineken. Et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League.